Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la démolition. Pour la démolition, non, surtout faut que j'arrive à évacuer ce gros portail qui est juste ici. Donc là, ça va être une belle galère. Je ne sais pas forcément encore trop comment m'y prendre. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, on s'est occupé de réaliser le nouveau portail, donc toute la structure en métal. Mais avant d'installer ce nouveau portail, il faut que j'enlève l'ancien. L'ancien, mine de rien, est entièrement en bois. Il pèse 2 tonnes. Clairement, il est super lourd. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble vu d'extérieur, en fait, on a cette belle arche, on a ce beau portail charentais qui est juste ici. Mais vraiment, les deux bâtons étaient dans un état pitoyable. C'est pour ça qu'on est venu les refaire. Il faut tout simplement donc là que j'arrive à le sortir. Alors, je sais vraiment pas comment m'y prendre. Je pense l'appui avec la pelle, venir couper la partie du haut. Au début, c'était ça ma première idée. Sauf que vraiment, l'épaisseur du bois est énorme. J'ai peur qu'avec ma petite tronçonneuse électrique, je n'arrive pas à passer, je n'arrive pas à couper. Donc je sais pas forcément encore trop comment m'y prendre, ou alors je vais enlever planche par planche, mais ça fait un sacré boulot. En tout cas, je pense qu'à l'aide de la mini pelle, je vais pouvoir le descendre gentiment, et par la suite, une fois que j'aurai réalisé cette étape là, je vais pouvoir creuser 2 socles de part en part, 2 grosses fondations sur lesquelles on pourra venir apposer le nouveau portail. J'ai également le petit portillon qui est juste ici à virer, donc ça va être beaucoup plus facile, hein, ça m'affole pas. Sur le petit portail, je vais récupérer toutes les anciennes ferrures et tous les anciens fermoirs qu'il pourrait y avoir pour essayer de donner un maximum de charme au nouveau portail, malgré qu'il soit neuf, essayer de garder toutes les pièces les plus anciennes. Et pour le gros Porsche, bon bah faut trouver une solution. Je vais essayer de couper tout ça. De toute façon, vous allez le voir, hein, je vous le mets la caméra en timelapse. Vous verrez, soit le portail me reste dessus, soit il tombe gentiment, soit il arrache le Porsche. Voilà, bon, ça, il y a des bons scénarios et il y a des mauvais scénarios. On espère qu'on va tomber sur le bon. Bon allez, tout de suite, on va blabla, on le descend, vous verrez les images comment je vais m'y prendre. Et puis après, je fais un peu de béton et je coupe mes 2 socles. Voilà les gars, la stratégie c'est de passer ma petite chaîne. Je viens attacher tout ça. Le but c'est que j'arrive à le sortir du gond de dessous. Une fois que je le sors du gond de dessous, je peux le tirer vers le bas et ça vient le désempencher vers le haut. Comme ça après je peux le faire tomber. Mais il faut que je fasse attention qu'il ne me retombe pas dessus parce que mine de rien ça pèse assez lourd. Mais bon, ça va plutôt bien. Hop. Et allez, on va faire ça. Ça comme ça. On a assez de bourre. Ah, c'est très sommaire comme attache. Du coup, obligé de refixer, la chaîne a cassé. Bon, c'est un petit peu laborieux quand même tout ça.
les fondations du futur portail sans couler. Donc portail de chaque côté et là-bas le petit portillon. Donc je suis venu creuser à peu près sur 40-50, franchement j'ai pas mesuré, mais par contre je suis vraiment allé jusqu'à ce qu'il y avait de plus dur. À la fin je suis vraiment tombé sur des grosses pierres en plus de fondation. Donc là je suis venu couler mon béton. Dessus on viendra mettre donc un palier vraiment. Alors je vais vous montrer, je dois les avoir juste là-bas. Mathilde est toujours en train de faire sa petite show. Les paliers je les ai là-bas je crois. Je vais vous montrer également les gonds. C'est vrai que je ne vous ai pas trop montré un petit peu comment on va fixer le portail. Alors j'ai d'autres pièces également qui sont en fabrication, qui vont arriver prochainement. C'est cool, hein, c'est vraiment mes potes qui s'occupent de tout là. Ils sont en train de me faire vraiment un travail au top. Là j'ai également des petits fers plats. Donc là j'ai Alex qui doit repasser. On va en fait prendre des fers plats qu'on va mettre dessus, qu'on va venir donc re-souder. Et ces fers plats-là, après je vais les percer, c'est sur ces fers plats-là que je viendrai attacher donc mon bois. Car là, on est sur des ferrailles assez épaisses, mine de rien. Donc là, si je dois les percer une par une pour pouvoir après passer donc des écrous ou quoi que ce soit pour pouvoir fixer mes planches, ça risque d'être plutôt galère vu l'épaisseur et la taille des ferrailles. Donc là, c'est ce qui fait la rigidité. On met les fers plats, c'est ce qui va faire donc le support du bois. Et après, donc pour tout ce qui va être roulement, on va utiliser en fait, enfin, ah, j'ai pas le palier, mais en gros j'ai ça. Donc ça c'est mes, c'est ce qui va venir en fait dans des gros roulements qui va être soudé juste ici. Alors moi ça c'est quelque chose qui me fait assez peur. Je leur disais aux gars, mais comment vous allez arriver à faire à bien aligner correctement ça? Eux ça les affole pas trop. On s'est laissé un petit peu de marge car au moment de venir installer l'autre pièce, on viendra mesurer vraiment comment ça va se, s'il faut le recouper ou pas. Mais ça je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme type de planche. On m'a donné plein de conseils. Certains m'ont dit mets du frêne, d'autres du chêne, d'autres du Douglas. Donc il y a vraiment 10 000 sortes de bois, j'ai aucune idée de ce qui irait le mieux. Donc si vous avez des conseils à me donner, franchement je suis preneur. Allez, on va poser ça juste ici, franchement ça rend bien, le garage c'est pareil, il me reste quelques petites modifications à faire. Il faut que j'installe un piquet de terre sur ce tableau parce que pour l'instant je n'ai pas de piquet de terre. Pour l'instant des fois j'ai quelques retours, c'est pas forcément agréable. Pareil, regardez les gars, si, pour les passionnés d'automobile, je me suis acheté une petite BMW. Je me suis acheté une petite BM qui est au garage, si vous me suivez sur TikTok. Je l'ai gardée moins de 24 heures, mais elle revient. Elle revient prochainement, comme ça, elle sera juste là, dans mon petit garage et mon bureau, je pourrais l'admirer. Bon, après, ça, c'est pour tous les passionnés auto, tous ceux qui aiment ça. Moi, c'est vrai que c'est ma plus... Ouais, je dirais que c'est ma plus grosse passion. C'est ce qui me coûte aussi le plus cher. Mais bon, et on ne peut pas avoir que des qualités, hein, faut bien des défauts également. Bon, bref de blabla, le béton va sécher, on va continuer à rejoindre le mur avec Mathilde tranquillement et puis par la suite, on pourra finir de l'installer. Il faudra que tu me passes ton portable pour que je fasse une vidéo après. Ouais, t'as besoin de faire un petit vidéo. TikTok, toc. Ok. TikTok. Ok, là c'est pour YouTube. Eh ben c'est pas grave. Allez les gars, ça avance bien, il nous reste plus grand chose à faire, plus que ce petit morceau. Bon, on se retrouve quelques jours après les soudures du portail et comme vous le constatez, on a déjà deux battants qui sont entièrement peints. Alors là, on est en train de les peindre pour les protéger. Avant ça, on est venu les poncer, on est venu également donc les nettoyer, surtout les dégraisser, leur passer un coup d'anti-rouille et après, on est venu les peindre. Donc là, il nous reste plus que le petit portillon, juste derrière moi à réaliser. Par la suite, on va attendre que les gars reviennent. Ils sont en train de me souder justement des pièces qui vont être adaptées, qui iront dans le coin du portail qu'on viendra fixer sur les pierres de taille, etc., etc. Donc tout ça, je vous le montrerai en vidéo. J'ai vraiment hâte que ce portail soit installé. Et par la suite, on viendra faire l'habillage en bois et on viendra également remettre donc tous les éléments en fer forgé qu'on pouvait avoir d'époque. C'est vrai qu'on veut essayer qu'il garde le plus son aspect d'origine, que ça rende plutôt bien. En tout cas, là, il va être l'heure d'attaquer la toiture au moment où je vous tourne cette vidéo. Alors ça, vous le verrez, vous, dans une autre vidéo. J'arrête pas de retarder le moment où je réaliserai cette toiture. Entre les conditions météo qui étaient catastrophiques, entre le fait qu'il pleut tout le temps, c'est plutôt galère. Là, il s'est mis à neiger. La toiture est littéralement donc enneigée. Mais tant pis, il y a un moment où il va falloir avancer. Ça me bloque sur la maçonnerie, ça me bloque sur la toiture. Donc là, il faut vraiment que, tant pis, je fasse avec les conditions météo. Après, c'est jamais très fun de bosser dans ces conditions-là. Force franchement à tous les couvreurs, à tous les mecs du bâtiment. C'est pas tous les jours fun. Autant
raillé, plaqué, isolé. C'est vrai que quand on est dans le bâtiment, même s'il fait froid, on peut s'en sortir. Mais tout ce qui est gros œuvre à l'extérieur l'hiver, c'est jamais fun. Mais bon, c'est pas grave, on va arrêter de se plaindre. On va essayer de se sortir un peu les doigts. Là, on va essayer de commencer à découvrir. Tout ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures.